Le but, c'est qu'on offre en moins de 2 heures plus de 100 000 repas. En fait, on a commencé avec 5, puis 10, puis 20, puis 30, puis 50 palettes. On est à 100 palettes. Alors, bonjour, je suis la présidente de l'association The Patoons Gang, qui est spécialisée dans le replacement de félins et parfois de petits lapins à l'occasion ou de petits rongeurs. Et on a la chance en fait de pouvoir récupérer beaucoup de croquettes qui vont nous servir pour tous les sauvetages en fait que l'on est en train de faire à l'heure actuelle. Je suis Marc, bénévole de l'association Raja, qui a été créée en septembre 1993. Nous recueillons des chats abandonnés ou maltraités, des chats errants, et donc on les place en refuge ou en famille d'accueil. Et le but, c'est de les faire adopter le plus possible. Animaliste, c'est avant tout effectivement une animalerie. Ils vendent des animaux, mais ils font aussi beaucoup pour les associations, en ayant créé l'Arche, par exemple, des associations. Nous, on soutient Animaliste en tant qu'association. Bonjour, alors je suis Antonio Ruiz, je représente l'association SOS Vieux Chiens qui a été créée il y a 7 ans. Et nous nous occupons essentiellement donc de vieux chiens et de quelques vieux chats. À quoi vous servirez les dents récupérées ce soir ? À nous faire une omelette ? Non, je plaisante. À nourrir bien évidemment nos protégés. Donc ça va nous aider effectivement au niveau de l'assaut pour un peu moins de budget, alimentation. Et qu'une enseigne comme Animalis aide les associations est une, je pense déjà une nouveauté en tout cas. Pas si fréquent depuis que les grandes enseignes animalières existent, de magasins animaliers. Donc c'est vraiment une belle chose et je pense qu'au nom de toutes les associations, on peut les remercier grandement pour cet effort de leur part et cette aide qu'ils nous apportent. Je suis exténué, il est tard ce soir, il y a encore quelques centaines de personnes dehors sur le parking qui sont en train de remplir les camions. Donc de toute évidence, puisque j'ai tiré des palettes, ça faisait des années que j'avais pas fait ça. En tout cas, autant de palettes et autant de cartons à mettre dans les camions. Néanmoins, je suis absolument heureux de dire que les centaines, la 100 et quelques associations qui sont venues ce soir, pour eux, ça représentera minimum 125 000 repas pour nos amis animaux. Donc c'est une grande fierté, une grande joie. Et donc à bientôt pour la deuxième édition de cette super soirée spéciale solidarité animale.